Porque claro, cuando crees la técnica, luego vas evolucionando. Évidemment, avec la technique, après, on alors, la banane. La mini pomme. La mandarine. La poire, ¿no? Oui. Et la fraise. Si yo no meto el tenedor en esto y fácilmente me la puedo llevar a la boca y tiene una textura realmente fundente, no me interesa esto. Si puede tromper la pochette, en fait, y puede la porter a la bouche, y si la textura le permite de la porter a la bouche, ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. Por eso cuando siempre se les da un golpe de soplete, que ahora van a ver que lo damos para temperar un poco la fruta cuando se le pone en el postre. C'est pour ça qu'on met un petit peu de, on leur donne une texture un petit peu particulière pour qu'elles soient pas complètement lisses et pour qu'elles aient justement l'apparence naturelle. Voilà. Comme maintenant, comme on commence. Voilà ici. Regarde, ça c'est une apparence naturelle. Les fruits commencent à fondre légèrement, ce qui fait qu'il y a... Ahora vamos a ver los postres con los que se hace esta técnica. Primero haces la técnica, luego elaboras el postre, ¿no? Alors cette technique sert à élaborer certains desserts. Donc maintenant nous allons...